Yes, salut à tous, ici c'est Sans Filtre. On est là aujourd'hui au cœur du pays de Montbéliard. Le pays de Montbéliard dans la ville de Montbéliard, exactement dans la zone piétonne. Ouais, voilà, c'est là où je suis, c'est là où j'habite. Alors aujourd'hui en plus on va faire un petit micro-trottoir, mais ce qui est cool c'est qu'on a des guests, on a des invités, on a du renfort qui va nous aider un peu. Ouais, complètement. C'est des super guests avec un grand G et un petit T à la fin. Ouais. Et peut-être qu'on peut les présenter rapidement là. Voilà, donc Gaëtan et Louise, vous allez bien ? Bah très bien, écoute, merci de l'invitation en tout cas. Vous êtes chaud ? Ouais, à fond, trop chaud. Yes, alors c'est parti, on y va. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question sur votre chaîne YouTube ? Oui. Ok, est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui croient encore en Dieu ? Ouais. Ok, super, pourquoi oui ? Bah c'est parce que c'est ce que les parents ils donnent à leurs enfants. Ouais, voilà, c'est l'éducation, enfin, voilà. Je sais pas. Il y a des parents, ils éduquent mal leurs enfants et c'est pour ça que maintenant les jeunes ne croient plus en Dieu. Mais ceux qui sont bien éduqués, qui leur donnent les valeurs, c'est pas parce qu'on est dans une société de merde qu'on ne croit plus en Dieu. Toi, tu seras philosophe plus tard, hein. Est-ce que vous croyez que les jeunes y croient encore en Dieu aujourd'hui ? Bien sûr. Et pourquoi vous pensez ça ? C'est une évidence. Étant donné que. La vie est de plus en plus difficile sur Terre, forcément, ça peut être qu'une évidence, en fait, tout à fait. Mmh. Ça serait pour savoir, est-ce que vous croyez que les jeunes de nos jours, ils croient encore en Dieu ? Moi, je le sais personnellement, j'y crois, donc... Mais les jeunes, oui, il y en a qui y croient, ouais. Ça serait savoir, est-ce que d'après vous, il y a encore des jeunes qui croient en Dieu en France ? Oui, concrètement, oui. Et pourquoi, d'après vous, ils croient en Dieu ? Parce que c'est familial. Ouais, avec la religion. Ça vient de la famille. Et vous croyez en Dieu, vous ? Oui. Et c'est parce que vos parents vous l'ont dit ou parce qu'il a fait quelque chose dans votre vie ou quoi que ce soit ? Oui, c'est familial. C'est familial, c'est ça, c'est la religion, oui. C'est familial. Okay. On suit. Alors la question, en fait, c'est est-ce que tu crois que de nos jours, les jeunes, ils croient encore en Dieu ? Ouais, après ça dépend, je pense que c'est surtout les parents qui influencent là-dessus, pour moi personnellement. Ouais. Moi je sais que j'y crois, mais ça peut être différent suivant plein de gens. Et pourquoi tu crois en Dieu toi ? Bah après comme je dis, c'est mes parents qui m'ont toujours dit ça, ma grand-mère ça vient de la famille quoi, donc je pense que s'ils m'auraient pas dit ça, je pense que j'y croirais pas. Oui. Oui. Et pourquoi vous croyez qu'ils croient en Dieu ? Bah parce que je vois à l'église, il y en a pas mal qui viennent assister aux messes, voilà. Est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui ils croient encore en Dieu ? Ben oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que toutes nos actions par rapport, je connais certains jeunes, nos actions elles dépendent des principes que Dieu a mis sur terre ou des choses comme ça. Que des lois dans les livres de toutes les religions, dans les livres, voilà. En Dieu ? Bah oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça dépend, c'est quand même question qui est assez. Certains croient en Dieu, après, il y a beaucoup de religions différentes, donc chacun a son Dieu. Mais je pense que, ouais, en partie, il y a quand même beaucoup de personnes qui doivent croire encore en Dieu. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui iraient plus dans le sens à donner envie de ne pas y croire qu'autre chose. Est-ce que vous croyez que de nos jours, les jeunes croient encore en Dieu ? Oh, moi je pense pas, non. C'était la question, c'est est-ce que vous croyez que les jeunes croient encore en Dieu ? Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'on se demande pourquoi on est ici, pourquoi on vit, etc. Puis je pense qu'on se pose plein de questions comme ça. Et après, voilà. Et du coup, pour toi, Dieu, c'est une solution alors à ces questions, pourquoi ? Voilà. Oui. Est-ce que vous croyez que les jeunes y croient encore en Dieu aujourd'hui ? Après, c'est compliqué parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils croient plus en grand-chose. D'un par la société qui fait que on vit dans un monde de consommation, donc ça veut dire qu'il n'y a plus trop de croyances, qu'on vit au jour le jour. Et moi je sais que mes parents sont de confession musulmane, enfin voilà, on croit en l'islam, mais moi aujourd'hui de temps en temps je me pose la question, est-ce qu'il y a encore un Dieu qui existe? Je pense que c'était plus des procédés, on va dire, millénaires, qui fait qu'il y avait une croyance envers Dieu pour pouvoir donner un sens à l'existence. Mais aujourd'hui, on est tellement avancé, tellement au niveau scientifique, tout ça, au niveau des preuves qu'on a par nos propres yeux,
Je pense que voilà, maintenant l'être humain il a évolué. Je pense qu'il y a, il y a de moins en moins de croyances, et plus particulièrement chez les jeunes d'aujourd'hui. Je suis chrétien parce que Dieu m'aime tel que je suis, et même si j'ai souffert du regard des autres, c'est lui mon seul juge, parce que c'est lui qui m'aime finalement. Je suis chrétien car après avoir vécu des défis dans mes relations et après une phase dépressive dans ma vie, Jésus m'en a sorti et m'a montré ma vraie identité. J'avais besoin de résoudre la question de Dieu. Savoir s'il existait ou pas, c'était pas tellement mon problème, c'était plutôt comment me réconcilier avec lui. Et Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, c'est pour ça que je suis chrétien. Je suis chrétienne parce que quand j'avais besoin de quelque chose ou quelqu'un plus grand que moi, Jésus était là et il est toujours là pour moi. Je suis chrétien car Jésus m'a fait sortir du ghetto et m'a fait découvrir une nouvelle famille qui est l'Église. Je suis chrétien parce que la présence de Jésus un jour est venue toquer à mon cœur, elle a été palpable, réelle, et elle ne m'a jamais quitté. Je suis chrétien parce que je suis convaincu que seul Jésus peut apporter la vie avec un grand V, bien au-delà de la psychologie, de la médecine, de philosophie et autres développements personnels de ce monde. J'ai décidé d'être chrétien parce que dans la quête de cette grande question qui était au fond de moi, de savoir qui j'étais, après avoir parcouru plein de spiritualités différentes et d'avoir posé des questions à plein de personnes d'horizons différents, je me suis rendu compte que Jésus était le seul à répondre à cette grande question de ma vie. Je suis chrétienne parce que Dieu m'a sorti de mes harcèlements au collège et il m'a permis de retrouver ma confiance en moi. Yo soy cristiano porque creo que Jesucristo es mi único salvador. I'm a Christian because the more that I dig and ask questions, Jesus is faithful to respond and give me the answers that I seek. 我是基督徒因为耶稣真爱我。 Je suis chrétienne parce que Dieu a changé ma vie. Je suis chrétienne parce que malgré tous les problèmes de santé que j'ai eus, je suis encore en vie et Jésus donne la vie. Je suis chrétien parce que Jésus délivre des dépendances. Je suis chrétien parce que si on mettait tous en pratique ce que la Bible dit sur l'amour, il n'y aurait plus aucun conflit dans le monde.